C'est Tom Bartos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'explication de la technique que j'ai trouvée pour faire plus de 20 manches sur la nouvelle map d'Arizendrash. Bon, sur PS4, elle a un mois. Donc, vous voyez, dès le début, vous allez activer la plateforme d'atterrissage et vous allongez devant la Too Quick Revive qui est en haut pour que ça vous donne 100 points. Et vous allez mettre 6 balles et un coup de cut sur chaque zombie de la manche 1. Alors dès que vous arrivez à ce point, vous ouvrez la première porte comme j'ai fait moi. Et vous allez vous allonger devant double coup, je crois. Je crois que c'est double coup, je sais plus. Et à partir de maintenant, il va vous falloir 1000 points pour ouvrir la première porte. Donc, dès que vous avez 1000 points, vous allez ouvrir la porte. Normalement, vous allez pile poil commencer la manche 2 et avoir 4 balles dans votre MR6. Alors là, donc, il va falloir nourrir les 3 dragons pour obtenir l'arc. Donc, le premier dragon, le voici. Il est juste ici dans la cour, vers le fond de la première cour. Et donc, pour le nourrir, c'est très simple. Il va falloir tuer des zombies aux alentours du dragon, pas trop loin non plus parce que sinon il ne va pas pouvoir les manger. Alors là vous voyez, je mets 4 balles dans un, les 4 balles qui me restent dans un zombie, et je vais devoir faire la manche 2 avec juste le couteau. Donc 2 coups de cut hein, pour tuer les zombies et pour récupérer max de points. Et vous allez faire en sorte de nourrir le dragon de cette manière. Pensez aussi à reconstruire les obstacles, ça peut être utile au niveau des points. Alors, dès que vous avez plus de 750 points, je vous recommande fortement d'aller chercher le pont. Je trouverai quelque chose de résolument supérieur. Je sais plus. Pour les autres manches, car vous n'allez pas pouvoir tout faire jusqu'à avoir l'arc au MR6. Pensez aussi à prendre la première pièce de bouclier qui peut se trouver soit ici, soit là, comme pour en l'occurrence, ici pour moi, soit quelque part dans les escaliers dans le coin, voilà. Soit par là, enfin, vous voyez. Alors, une fois le premier dragon fait, vous allez avoir besoin de, une première fois, 1250 points pour pouvoir ouvrir, enfin, dégager les obstacles pour accéder à l'électricité, enfin, du moins, les premiers obstacles. Donc, vous faites des tirs de la tête avec le KRM. Après, si vous essayez, vous pouvez essayer aussi de mettre un tir dans le bras, un tir dans la tête. Ça marche pas tout le temps. Mais ça permet de faire plus de points parce que plus vous tirez de balles dans le zombie, plus ça va vous donner de points. Et quand vous mettez un tir de la tête, ça va vous donner 100 points. Donc vous voyez, vous ouvrez la porte que j'ai ouverte il y a 2 secondes, hein, enfin les débris, pardon. Et après, vous allez encore farmer de la même manière. C'est pas grave si vous passez la manche, c'est tout à fait normal. Vous allez farmer jusqu'à avoir 1500 points pour ouvrir la porte juste avant le disjoncteur. Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, ne prenez surtout pas les kabooms. Et si vous avez des morts instantanées, vous pouvez les prendre, mais ne tuez surtout pas de zombies avec celle-ci. Sinon, cela. Ça peut faire tout foirer. Donc, une fois que vous avez les 1500 points en poche, vous allez ouvrir la porte comme montré à l'écran. Donc là, j'avance. Voilà, c'est cette porte-ci. Et donc, vous avancez sur la gauche, vous entrez dans une deuxième grande pièce avec le couteau que vous ne connaissez pas. Et vous allez allumer l'électricité. Alors, sortez de la pièce, téléportez les pièces du pack-a-punch en maintenant la touche d'action à côté de celle-ci. Profitez-en aussi pour allumer la première aire d'atterrissage. Alors, pour la pièce de bouclier du phénix, enfin l'oiseau, elle va se trouver soit là,
soit elle va se trouver à côté de la salle avec les écrans verts comme moi, ou soit dans la salle quand on monte les escaliers, l'espèce de moulin, de tour, vous appelez ça comme vous voulez, à côté du zombie avachi sur le bureau. Donc une fois ceci fait, je vous invite à vous allonger devant Spicola pour avoir les 100 points. Et ensuite, vous allez devoir faire tourner les zombies dans la salle de façon à nourrir le deuxième dragon qui est au fond de la salle, dans mon dos, vous voyez, au-dessus de l'espèce de cheminée. Vous voyez, il est en haut. Vous n'êtes pas obligé de faire tourner les zombies, mais c'est préférable. Faites attention par contre à ne pas mourir, parce que comme moi, parce que là j'étais vraiment mal, hein, j'ai failli mourir et j'aurais dû tout recommencer. Donc quand il vous reste plus qu'un seul zombie à la manche 4, que vous ayez fini le deuxième dragon ou non, alors descendez dans la salle de la pyramide. Enfin, dans les sous-sols. Et allongez-vous devant Masto. Ça vous donnera 100 points comme pour tous les atouts. Et profitez-en aussi pour prendre Quick Revive juste au cas où. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais moi je préfère le prendre quand même au cas où. Je crois pas que je le... Ouais, plus tard dans la partie, vous le verrez pas, mais ça m'aura sauvé la vie. Et téléporter aussi les pièces du pack-a-punch. Donc là, vous voyez, il va falloir rester 5 secondes sur chacune des dagues pour activer l'antigravité. Donc vous gardez votre zombie, vous l'emmenez loin dans la salle, vous attendez qu'il arrive, et puis dès qu'il arrive, vous barrez le plus vite possible sur une dalle, et vous répétez cette opération pour chacune des dalles qui est de chaque côté de la pyramide. Donc quand toutes les dalles seront activées, donc voilà, j'active la dernière, vous allez pouvoir récupérer la troisième pièce du bouclier, car la salle a cette lueur bleue, donc il y en a une ici. En fait, ça vous permet de faire des doubles sauts, de courir sur les murs, enfin c'est un peu une antigravité. Il y en a, elle peut être ici aussi, au-dessus du pack à punch, là c'est au-dessus de la salle pour le téléporteur, et le dernier c'est sur les décorations, voilà, c'est à cet endroit-là précisément. Donc moi je vais aller récupérer la pièce, si j'arrive, c'est un peu galère, je vous l'accorde, voilà. Et donc pour le construire, le meilleur emplacement c'est dans la salle avec les écrans verts. Une arme défensive. Maintenant que vous avez le bouclier, les zombies ne pourront plus vous taper dans le dos. Enfin, quand ils vous taperont, vous entendrez un petit clonk. Ouais, ça doit être clonk ou un truc comme ça. Et donc, vous pouvez aussi vous l'équiper en appuyant sur la flèche bas. Bon, moi, je le fais pas. Et vous pouvez vous propulser trois fois, soit... soit vous donnez des petits coups comme ça, mais ça donne pas de points. Alors une fois le bouclier fait, vous pouvez soit activer le dragon en bas, soit finir le dragon en haut si vous ne l'avez pas fini. Par contre, ça ne sert à rien de s'embêter la tête à tuer des chiens proches des dragons, car les chiens ne nourriront absolument pas le dragon. Le dragon, il se fout complètement des chiens. Donc, une fois votre manche des chiens finie, vous allez devoir nourrir le dernier dragon comme ceci. C'est-à-dire en tuant les zombies et en tournant autour de la pyramide. Enfin, là, vous tournez un peu comme vous voulez aussi. Hein, c'est chaque
chacun sa manière, en fonction aussi des zombies. C'est surtout ça. Une fois que vous avez bien nourri le dragon, il va se transformer en pierre et s'effondrer comme les deux autres. Et vous pourrez récupérer l'arc juste ici en remontant un peu dans la pièce, juste avant de remonter la pièce avec les ocrans verts. Donc maintenant que vous avez l'arc, ça c'est l'arc basique. Et nous allons avoir besoin pour la technique de l'arc explosif. L'arc électrique. Donc pour commencer, vous allez tirer une flèche dans la girouette, si j'y arrive bien sûr. Voilà. Vous avez vu, c'est un arc explosif. Par contre, faites gaffe aux zombies. Hein, pour faire l'arc, si vous voulez, vous pouvez tuer 2-3 zombies. Enfin, un peu plus comme moi, vous allez voir. Mais faites extrêmement attention. Il faut quand même en laisser un peu. Vous en aurez besoin, vous verrez plus tard, pour charger les flèches et tout. Alors, évitez à tout prix de passer les manches. Bon, c'est pas grave si vous êtes manche 7 ou 8 à cette étape de la vidéo, alors que moi, je suis manche 6. Mais ce sera plus dur pour vous que pour moi. Donc, après, il va vous falloir allumer 3 bûchers. Donc, le premier bûcher se trouve ici. Vous chargez bien la flèche, vous tirez à peu près en haut, puis pouf, il est allumé. Pour ce qui est du deuxième bûcher, il est juste à côté du pompe, sur l'espèce de colline là-bas. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est là-bas. La pointe de ma flèche signe votre arrêt. Et pour le troisième, vous allez devoir aller à la fusée. Alors, c'est en dessous, vers la salle de la pyramide. Vous aurez une porte et 1500 points à ouvrir. Puis vous pourrez prendre le téléporteur qui coûte 500 points. Donc, vous voilà à côté de la fusée. Par contre, vous ne pourrez pas monter dedans. C'est ça que je trouve dommage. Et donc, vous tirez le bûcher. Se trouve là-bas. Et donc, vous verrez un petit truc en haut à gauche apparaître comme pour tout à l'heure. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour récupérer la flèche, il suffit juste de. Enfin, une fois que vous avez tiré dans la girouette, et après il suffit juste d'actionner, de faire la touche carrée devant la flèche qui sera sortie du mur un peu comme par magie, voilà. Hein. Alors, pour la suite, pour avoir l'arc électrique, il vous faudra aller du côté de la pyramide, attendre que l'antigravité s'active et vous allez devoir courir sur le mur. Comme vous voyez à l'écran, comme moi, pour appuyer sur tous les symboles. Alors c'est simple, pour courir sur un mur, vous vous dirigez sur le mur, vous courez, puis voilà, après vous avez juste un peu à bouger la caméra, faut juste avoir un peu l'habitude. Et donc vous entendrez ce bruit et le petit truc en haut à gauche, c'est que c'est bon. Alors par contre, il faut surtout pas tomber. Alors si vous tombez, enfin, vous pouvez sauter du mur, mais il faut tout de suite se rattraper sur le mur. Sur un autre mur ou quoi, faut pas toucher le sol, sinon vous êtes bon pour recommencer. Pour la suite, il vous faudra remplir 3 pots électriques. Donc il y en a un à côté de moi, c'est-à-dire dans l'espèce de moulin que je vous avais montré tout à l'heure pour je sais plus quoi d'ailleurs. Donc vous allez devoir le charger en zombie en tuant des zombies à côté de lui, mais vraiment à côté parce que sinon ça ne le prendra pas en compte. Maintenant, une fois qu'il est chargé, vous allez devoir charger une flèche à côté de celui-ci et essayer de retirer dans le bûcher. Alors, si vous y arriverez, vous verrez que le bûcher est électrifié. Bon, là, on ne le voit pas parce que je suis un peu débordé niveau zombie. Mais, normalement, si tout a bien marché, le bûcher devrait être électrifié. Le deuxième se trouve juste à côté des escaliers. Comme vous voyez à l'écran, donc ça c'est à côté de la première cour, hein. Il est en bas, vous voyez, il est en bas à ma gauche. Et une fois chargé, vous allez charger votre flèche ici, comme ceci, comme pour l'autre. Et vous allez vous diriger vers le bûcher, je crois que c'était le deuxième bûcher qu'on avait fait. Et vous allez électrifier le bûcher. Bon, là vous allez voir, je vais pas y arriver. Mais vous allez. Mais vous avez compris ce qu'il faut faire. Et donc le troisième pot se trouve sur le site de lancement de la fusée. Donc vous vous téléportez comme précédemment. Et vous voyez qu'il est juste là.
ne savez pas ce que ça fait de sentir une flèche vous transpercer le cœur. Et une fois chargé, vous allez devoir allumer le bûcher se trouvant à côté. Voilà, le bûcher qui est là-haut. Ouais, je suis encore pas, encore une fois, pas arrivé parce que j'y arrivais pas du premier coup. Enfin bref, vous avez compris. Et quand vous êtes arrivé à électrocuter le dernier bûcher, vous voyez le petit signe en haut à gauche. Cela veut dire que c'est bon pour cette partie de la quête pour avoir l'arc électrique. Et donc, pour l'avant-dernière étape, il faudra juste appuyer sur la touche d'action devant la girouette au niveau du début de la quête et vous verrez après descendre que la flèche reforgée descendra de la girouette. Et maintenant, il va falloir l'emmener à la pyramide. Une fois que vous êtes arrivé dans la salle de la pyramide, vous déposez la flèche sur à côté du pilier où il y a marqué où il y a le petit insigne électrique. Et là, vous allez devoir charger la flèche. Par contre, c'est pire que l'épaule. Il faut tuer les zombies, mais la zone d'absorption. Et pire que les pots, là par contre il faut en tuer une bonne 20-30 hein, par rapport aux pots que c'était 5-6, je crois que c'est 8 pour les pots, un truc comme ça. Là il en faut bien une bonne vingtaine, une bonne trentaine. Et une fois que vous voyez que votre flèche n'absorbe plus les zombies, c'est qu'elle est prête et qu'elle brille un peu. Alors vous prenez l'arc, vous appuyez sur la touche d'action et là, badaboum. L'arc électrique. Donc vous appuyez sur toutes les actions pour les récupérer. Et donc vous avez enfin votre fameux arc électrique. Alors maintenant vous pouvez prendre Masto si ce n'a pas été fait auparavant. Et donc c'est enfin maintenant qu'on va entrer dans le vif du sujet de la vidéo. Comment faire plus de 20 manches, et ben c'est très simple, vous allez devoir faire tourner les zombies comme vous voyez sur la vidéo à cet endroit là précis, c'est à dire à côté du truc pour aller à la fusée et du pack à punch. Donc vous les faites tourner comme ceci. Et une fois que vous voyez qu'il y en a plus qui arrivent, vous envoyez une flèche chargée d'arc électrique, ce qui va faire une tornade et électrocuter tous les zombies. Et en fait, c'est très simple, il va juste suffire de répéter ça un bon paquet de fois. Après, bah là, vous voyez, j'ai pris la machine de mort juste pour la fin de la manche, ça va, la manche 10, c'est gérable. Après, au niveau des autres atouts, perso, je vous conseille fortement de prendre l'atout pour courir. Alors, pour prendre un atout, c'est simple, hein, en toute sécurité, vous tirez une tornade et après, vous bougez votre atout. Donc, pour les panzers, c'est-à-dire les gros obus en armure, c'est très simple, vous avez qu'à activer le piège et le spam de flèches. Bon là je ne sais pas du tout pourquoi il m'a fallu que seulement 3 flèches, ça m'a fortement étonné et je vous l'accorde. Et je ne sais pas du tout pourquoi j'ai eu un panzer à une manche de chien. Panzer manche 12, ok, mais chien à la manche 12, c'est vraiment bizarre. Je vous conseille aussi de prendre l'atout Speed Cola pour recharger plus vite si vous voulez aussi jouer un peu aux armes à feu. Nous arrivons en fin de vidéo, donc je vous dis à la prochaine. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu et que vous voulez que je continue à faire ce style de vidéo, ce vidéo tuto. Après, il faut savoir aussi que le montage m'a pris à peu près une heure. Ainsi que la partie pour vous montrer m'a pris bien 2 heures. Si vous voulez savoir, je suis mort à la manche 20 à cause du bouclier
le bouclier il a lâché, puis que j'ai voulu aller le chercher, je suis mort, réanimation il m'a servi à pas grand chose, enfin voilà. Donc je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.